Hey, salut à tous, à toutes les gamers, on se retrouve pour un nouveau tuto. Alors voilà, aujourd'hui je suis en compagnie, vas-y, je te laisse te présenter. Ouais, Nico pour une nouvelle vidéo avec Pfizer. Aujourd'hui, le crash de Doom 3. Voilà, donc comme je vous ai bien parlé de lui, monsieur Nikovitz, on fera souvent deux tutos ensemble. Alors C'est pour voilà. ça qu'on a créé une nouvelle chaîne. Voilà, on a créé une nouvelle chaîne, pardon. Pardon. Et voilà, on vous parlera de ça après le crash. Ouais. Alors voilà, en tout premier, il vous faudra voilà Le courant. le fichier SkyDraw Doom 3. Voilà. Voilà. Après, il faudra une torrente. Et après, il vous faudra Demon's Light pour moi. Parce que monsieur Oui, Nikovitz en a eu fait, un film. il y a plusieurs façons. J'ai mal écrit. Ça va pas le faire. Il y a plusieurs façons. Donc en fait, on a réussi. Moi, j'avais un lien WinRAR et vous pouvez soit avoir un lien WinRAR ou soit avoir un lien Demon Tools. Donc vous pouvez télécharger les deux. Donc Demon Tools. Voilà, et Demon Tools, de toute façon, Et WinRAR. téléchargez-le parce que souvent dans. Il sert pour tous les cracks. Il Et s'est. WinRAR, hein, télécharger aussi. Ouais, il est vraiment utile. Alors voilà, une fois que. Voilà, là vous mettez Getty's Torrent. Lancez l'application. Ouais, je voulais juste dire en fait, il y aura plusieurs façons de télécharger le torrent, comme on a dit. Soit vous aurez un fichier ISO comme à Nono, mais voilà, faudra juste monter l'image. Ou soit vous avez un fichier WinRAR. Faudra juste l'extraire et vous mettrez setup. C'est exactement pareil, sauf qu'il faut extraire, ça prend un petit peu plus de temps. Mais sinon, c'est exactement pareil. Voilà. Alors moi je vais mettre non parce que je l'ai déjà téléchargé. Donc, je vais vous montrer. Donc vous allez sur WinRAR. Sur uTorrent, pardon. Donc là, le crack, moi, il est fini. Il fait 3,99 Go, donc ça va, c'est pas non plus le plus long. Quand on voit un petit peu Modern Warfare 3 et tout, qui font 13, 14, 15 Go, là, ça va, c'est pas très long. Donc, mettez clic droit sur le torrent, ouvrir le dossier de réception. Donc moi, comme je vous ai dit, c'était un fichier rare. Donnez-moi, c'est un fichier ISO, c'est-à-dire Demon's Light. Parce qu'avec Monsieur Nikovitz, c'était un fichier point rare. Alors voilà, après maintenant comme vous a expliqué Monsieur Nikovitz, ça dépend en fait. Voilà. Donc si c'est un fichier ISO, vous faites double clic dessus, vous montez l'image tout simplement. Et si c'est un fichier rare, vous faites comme moi, vous créez un nouveau dossier, vous l'appelez extrait et vous faites clic droit, extraire les fichiers, donc extraire file pour ceux qui ont en anglais. Voilà, donc et vous mettez dans extrait. moi je vais faire double clic dessus. Hop. Donc une fois que ça sera extrait, vous mettrez sur setup, double clic, sur next. Next. Donc vous laissez bien où c'est, vous changez pas d'endroit. Donc ça c'est créer un icône sur le bureau. Vous mettez exécuter et là vous setup. mettez install. Mais voilà, ça je vais pas le faire parce que moi je l'ai déjà. Donc oui. Après, une fois que ça sera install, vous pourrez remarquer qu'il y aura un raccourci sur le bureau. Mais il faudra pas aller sur ce raccourci. Il faudra aller dans le fichier SkyDraw. Là vous aurez l'autre application. Mais vous allez mettre copier, clic droit, copier. Vous allez où a été installé votre jeu. Donc vous allez en programme 5.86 Bethesda Software Doom 3 et là vous faites coller. Donc je vais le faire parce que voilà, moi je reviens. Alors là vous mettez next. Voilà, là vous enregistrez où vous voulez. Moi je vais mettre en programme file x86. Voilà, next, créer un raccourci, next, install. Voilà, vous pouvez voir que c'est exactement pareil, hein, ce que j'ai dit et ce que vient de dire Christopher, c'est juste les fichiers qui sont différents. Mais c'est exactement le même crack, mais bon, je sais pas pourquoi moi ça m'a mis un fichier rare. Normalement ça vous sera un fichier ISO, mais si c'est un fichier rare, moi faudra faire ça, c'est plus. Voilà, Je crois qu'en fait il n'y a pas de différence. J'ai mis par défaut WinRAR au lieu de mettre ISO, je vais remettre ISO. Parce qu'à chaque fois ça me donne des fichiers rares au lieu de me mettre des fichiers ISO. Ouais, j'ai dû mettre ça par défaut. En fait. Mais normalement vous ça sera un fichier ISO. Y a pas de souci. Donc voilà. Ces deux fichiers là, SkyDraw, RABG, on s'en fout. Voilà. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas trop Doom 3. Alors Doom 3, c'est ce jeu, il a été créé par les mêmes créateurs de Skyrim et de Dishonored. Je sais pas si vous connaissez, mais voilà. Je tiens à le préciser. C'est un jeu vraiment très bien. C'est un jeu d'aventure, hein, comme Skyrim et Dishonored. Voilà, c'est un jeu d'aventure. Voilà, c'est un peu le même genre de Skyrim et Dishonored. Plutôt aventure, comme l'a dit Monsieur Nikovitz. Je vais aller voir ça. Et puis voilà. Comme vous voyez là, ça charge. Là, faut attendre un petit peu. Non,
Donc après, Nico, on commence à parler de la nouvelle chaîne communautaire. Bah moi je dirais plus qu'on fasse une vidéo avec Inishmita, comme ça on serait les trois à la présenter, mais comme tu veux. Ok, bah ouais, bon, on fera une vidéo avec Inishmita. Ouais, en plus là il est connecté sur Skype. Bah, si vous voulez des renseignements sur notre nouvelle chaîne communautaire, allez voir mon récap numéro 2 avec celui à Monsieur Nikovic. Donc là je vous mets la bande annonce. Voilà, on a vraiment expliqué des choses. Voilà. C'est un FPS d'aventure, hein. Vous avez donc des armes, voilà, c'est un... Il y a moyen de bien s'éclater. Par contre, je tenais à dire tout de suite, si quand vous avez fait le crack, vous lancez le jeu, ça vous met une page noire et que ça s'arrête, c'est que votre ordi n'est pas assez puissant. Donc moi et Christopher, on a un assez bon PC, on a même un très bon PC. Donc nous, il n'y a pas de souci là-dessus, mais si ça vous met un écran noir ou un écran blanc et que ça rôde et qu'il n'y a rien qui se passe, c'est que votre PC est trop faible. Donc je sais pas combien il faut pour faire tourner ce jeu, mais à mon avis il faut quand même des bonnes ressources. Hein. Voilà. Alors voilà, ne vous inquiétez pas, je mettrai tous les liens dans la description, il n'y a pas de souci. Il marche, ne vous inquiétez pas. Alors voilà. Là Nico, tu l'as déjà installé le jeu? Ouais, moi j'ai installé. Ouais, alors moi j'attends, là je suis un peu plus de la moitié là. Ouais, il est assez rapide l'installation, je l'ai fait ça hier, histoire que j'ai pas à le refaire pendant le tutoriel. Ouais. J'arrive pas à trouver combien il faut pour Doom 3. Parce que je voudrais bien vous le montrer, au moins vous pouvez savoir si votre PC est assez puissant. Fiche technique. Ouais, il me semble qu'il faut aller dans... Non mais je vais sur internet, moi. Attends, collection... Doom 3. Moi, je l'ai pas encore installé. Et ouais, toi tu l'auras pas. Ouais, je sais pas combien il prend en fait. Mais à mon avis, il faut quand même... faut quand même avoir un ordi assez puissant. Ouais. Moi je dirais peut-être 4 Go de RAM minimum. Avec une assez bonne carte graphique. Ouais, parce que genre si vous avez un vieux ordi... un vieux ordi... ne vous étonnez pas que le jeu marche pas, quoi. Ouais, non, il faut quand même avoir des bons ordis, même sur les jeux qui sortent. Il n'y a plus beaucoup de jeux qui permettent de jouer avec des ordis 1 giga de RAM et tout ce que vous voulez. Ça, c'est plus vraiment possible. Ah, j'ai trouvé. Alors, il vous conseille... Oh, bah voilà, même avec un vieil ordi, vous pouvez y jouer. Je suis assez choqué. Donc, la configuration minimum, mais je vous conseille d'avoir la conseillée. Un Intel Pentium, donc il faut 384 MO de RAM. Il n'y a même pas besoin d'avoir 1 giga pour pouvoir jouer à ce jeu. Donc voilà, c'est vraiment... C'est vraiment raison. Ouais, pensez, parce que Skyrim, il faut 4 giga de RAM, une GeForce, donc c'est vraiment différent. Une carte graphique des plus magnifiques au monde, d'un coup va à 20€ des comme ça. Même plus, maintenant c'est 10€ parce qu'une 64 mégaoctets, c'est vraiment pas... Ah voilà Nico, voilà, là l'installation est finie. Alors normalement, ça va vous mettre Doom 3 sur votre bureau. Ouais. Alors là, vous mettez finish, bien sûr. Il faudra pas le lancer avec Doom 3. Et puis voilà, donc voilà Nico, le crack est fini. Hein. Ouais, en fait, ça c'est différent. Est-ce que t'as un fichier Skydro, toi, sur ton CD? De quoi? Normalement, sur le CD que t'as, que t'as monté avec Demon Tooth, tu dois avoir le fichier Skydro à l'intérieur. Ouais. Faut d'abord que tu le craques, faut d'abord que tu le mettes dans BDHDR et tout. Tu fais copier et tu colles dans BDHDR où tu l'as mis en fait. Le fichier, c'était lui tout à haut là, ou Skydro? Ouais, c'est Skydro, à l'intérieur t'as Dooms application et tu colles dans le fichier où t'as installé. Dans Program Files et tout. Là, je me suis bourré. Parce que si tu fais pas ça en fait, le jeu marchera pas. Parce qu'en fait, les fichiers Skydro, c'est simple. Vous installez le jeu, ça vous donnera le jeu que vous pouvez acheter. Mais ça marchera pas parce qu'il vous dira que le CD n'est pas inséré. Il faut en fait copier le fichier et le mettre dans votre jeu. En fait. C'est tout simplement. Voilà, vous prenez ça, faites copier. Simplement. Disque local. Program file. Ouais,
Bon, après, voilà, vous cherchez Doom 3 et vous le collez. Voilà, tout simplement. Et vous mettez copier, enfin déplacer et remplacer, et voilà. Donc, le jeu, il marche bien évidemment. Voilà, le jeu est craqué. Donc, voilà, les gens. Voilà, on se dit à la prochaine pour plus de tutos avec Monsieur Nikovitz. N'hésitez pas à mettre des j'aime, abonnez-vous, des commentaires. Voilà. Voilà, s'il y a un problème, vous nous dites et on répond. Voilà. Moi je réponds à tous les commentaires. Hein. Dès que j'en ai un, je réponds dès que je le vois en fait. Donc ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez les gens, merci d'avoir suivi le tuto. À la prochaine. C'était Nico et Fighter pour un nouveau tuto. À la prochaine. Les gens. Ciao.